haïtien, Luis Abinadel fait Haïti yon gros mal. Parce que je dis, hein, li pas possible même genre pour yon rentrer en République Dominicaine à l'acheter produits dominicains pour vin vendre sous marché haïtien. Mais pour un pilote haïtien tout, Luis Abinadel, président dominicain, décision te prendre un jour qui s'est passé pour couper toute relation avec Haïti, c'est plus gros bien te ka fè Haïti, c'est plus gros bien te ka fè peuple haïtien. Gen bien longtemps n'a cherché yon bagay. Gen bien longtemps n'a bousqué sa nrele réveil de conscience. En pile politicien prêché sous lit, yo parlé sous lit, faire réunion sous lit, ça pas marché. Mais avec décision Abinadel te prend, haïtien tout côté, haïtien dans 10 départements pays, tant kou nan diaspora, décide mette tête ensemble pour mouvement canal. Mouvement canal là, c'est pas un simple mouvement. Mouvement canal là, journée jodian, li permet à chaque grain haïtien, li permet à haïtien qui dans diaspora pour yo wè nécessité pour yo bataille pour pays yo. Et bien compatriotes haïtiens frères yo, à mouvement canal ça, gagne 19 gros entreprises internationales qui gagne yo fixé sous département nord-est là. C'est kounye a Abinadel nan problème. Getan gen tek disponible. Getan gen te gen zone pou yo fè port, getan gen l'argent ki disponible ki sakrete yo. M'pral ba ou tout détail yo nan émission an jodi an. Bonne nouvelle an pile moun tap tann, se décision que autorité locale nan Wanamet yo te supposé pran. Et bien nan moment n'ap pale a la, pit kouma on zanana koupengouen, moun nan nordès, yo kampe pou yo bat bravo après yon gros disposition qui prend là à travers municipalité. Qui sa décision yé, qui est pas li genye, ou pral jwenn tout détail yo nan bon ti mamite, puisque nan moment n'ap pale a la, information sa yo ki rive la kay voisin, yo fete Abinadel chaud. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? C'est toujours un plaisir pour m'avec vous, pour m'boter émission pour l'an pour vous, mon éditorial avec Yannick. Sous fait que tomber sur channel, n'a pas hésité. Abonnez, activez la cloche de notification pour qu'arrêtez connecté avec nous. Et comme ça, ou pas prater aucun non vidéo n'a pas gagné pour nous poster. 16 000 emplois directs en danger. À 80 000 emplois indirects qui concernaient avec gros coquin chaîne initiative qui prend par bon côté Oasis Village International Free Zone qui lui-même liste une zone franche côté que gagne 19 entreprises internationales qui ont même paré pour dépenser plus que 5,7 milliards de dollars américains dans le département nord-est. La nouvelle ça tombé, l'information rive joint nous, nous partager. Gen zanmi k'ap pose tèt yo question pour yo konnen viabilité yon projet si la. Parce que yo di Haïti son pays nan moment là qui gen instabilité politique. Haïti gen problème sécurité. Haïti toujours non tande gon lobe k'ap pété la dan. Gen zanmi ki pa kwè que yon projet qui gagne si grande envergure, ou a parlé de 5,7 milliards de dollars américains, ou a parlé de 19 entreprises internationales qui spécialisent dans la technologie, qui spécialisent dans la grande technologie, qui gagne diverses capacités pour y venir dans le secteur bancaire, venir travailler, venir créer travail. Est-ce que réellement, y a un projet comme ça, les cas viennent planter en Haïti? Eh bien, m'a dit nous, gagné Jean Palerme Mathurin. Monsieur Jean Palerme Mathurin, qui lui-même fait partie de l'entreprise, de structure et dans la société civile, là, et qui a même fait un travail là, d'arrache-pied, qui a bataillé avec le gouvernement Ariel Henry pour permettre que le projet a réalisé, pour tomber en campé pour 19 entreprises internationales, ça a arrivé en Haïti.
Mais à travers une structure, yon gen qui rele ADSA, qui bénéficie de leadership zone franche, le yon gen pour yon vin implanter en Haïti, nous pral gen pour nous poser quelques petites questions, et à travers intervention, Monsieur Jean Palère Mathurin dans l'émission Le Point, ou pral gagner plus détails. L'important dès le départ pour qu'on ait qui ça, qui ont zone franche. Parce que nous pas qu'à venir parler de en question de zone franche, et puis ou même pour là, pour pas qu'on ait qui ça, qui ont zone franche. Parce que 5,7 milliards de dollars américains, ça, qui a possibilité pour créer 16 000 emplois directs dans le département nord-est, qui pral permettre 80 000 autres moun bénéficier de emploi indirect. C'est un gros bagage, c'est parti cause petit. Déjà, faut que moi bon quelques petits détails. Leur parler de 16 000 emplois directs là. Mettez dans tête tous ces 16 000 moun yo pral gagner pour yo embaucher, pour yo bay travail. 16 000 moun sa yo, c'est 16 000 moun qui a bon salaire, qui a sorti directement dans entreprise sa yo, dans 19 entreprises sa yo. Qu'on y a parlé de 80 000 emplois indirects, ou qu'on est déjà des pour travailler. Soit pour travailler, ou pral gen maman pour bay un petit salaire, un petit cob, ou pral gen papa pour gérer, ou pral gen ce frère, ou pral gon zami, ou pral gon tontine, pral gen pile moun qui pral compter sou, que l'on veut ou non, faut fonti j'ai savé yo. Décembre pral rive, faut bay un petit cob pour yo peintire kay, pour yo changer rideau, faut voyon un petit cob pour sous 1er janvier ya, faut voyon un petit cob si gon maladie, si gon mariage, si gon enterrement, faut ou aider. Donc là on parle de 80 000 emplois indirects là. C'est par rapport avec moun sa yo préalable qui pral travail dans entreprise yo, qui pral gen pour aider l'autre moun. Moun sa yo souvent rele tête famille, les épaules famille etc. C'est à partir de là on vient parler de job indirect ça de 80 000 emplois indirects. Mais qu'on y a, c'est qui ça zone franche? Déjà faut que moi dis non. En Haïti pour arriver établir une zone franche, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Non? C'est pas facile parce que il y a un ensemble de dispositions que l'État prend qui supposé garantir, qui supposé respecter. Non, moi on a parlé à là, nous qu'à compter sous doit nous quantité zone franche qui gagne. Et gagne yon zone franche Gantier, gagne Lafito, Port Lafito son zone franchie, Kodevi son zone franchie, Kodevi qui tout près et canal là, comprendre sous frontière d'Abonwana mettre son zone franchie, Palmier son zone franche, Siza, Ipor moun qui nan question et courant nous te contenté gagne contrat qui bail avec Ipor dans nan question gestion courant en Haïti. Même gens t'étendé et Vob comment ce génère te gagne et contrat pour bail courant etc. Ipower tout te gagne contrat. Ça yo considère Ipower là lui-même comme une zone franche. Bon. Qui ça qui zone franche? Yo considéré dans loi haïtienne non et zone franche c'est une loi de 2002 qui lui-même qui réglementait question zone franche en dedans pays. Et nous considérer comme zone franche toute partie dans territoire là, ça veut dire ou ka pour un bout de terre là dans département nord-est côté zone franche et oasis li pral établi là son bout de terre non territoire donné qui pral gagner qui pral consacrer à une activité d'entreprise en activité d'exportation côté que yo pral bout de terre ça que l'État concédé yo ba yo bout de terre ça. OK, yo pral gagner pour yo implanter des entreprises, entreprises ça yo pral gagner pour yo créer travail, pour yo bail travail avec des nationaux, moun qui a vivre dedans pays hein, et entreprises ça yo pral gagner pour yo spécialiser yo dans des exportations, voyer produits vers l'extérieur. Mais à travers même loi qui réglementait question zone franche en Haïti, hein, maintenant gen l'autre bagaille pour qu'on ait zone franche, le l'État accepté pour gon zone franche qui implanté sous territoire pays, hein, yo fait des limitations. Koun ye a, l'État gagne pour bail entreprise a yo certaines garanties. Et parmi garanties que l'État bail à travers disposition qui gagne dans code fiscal, qui gagne dans code douanier, etc. Eh bien, zone franche yo bénéficié de 15 ans d'exonération d'impôt sur le revenu. Ça veut dire, yo pap gen pendant 15 ans, yo pap gen pour yo payer impôt sur le revenu.
Pour qui ça l'État fait comme ça? Parce que le connaît. Le gain yon zone franche, le gain par exemple 19, 20, 25, 15 entreprises qui vini implanter en Haïti, qui pral créer travail, qui pral bay haïtien travail, que l'on veut ou non, li pral diminuer la quantité moun qui au chômage. Li pral diminuer la quantité moun, peut-être sous te chita là, ou t'ap jouen un député, un sénateur, un dans secteur privé, qui pot un zamba ou qui dou, monte un petit groupe gang, monte un petit kro gang, ou t'ap pral vin créer plus problème en dedans pays. Donc, l'État prend garantie, l'État prend disposition pour le garantie moun sa yo qui vin implanter zone franche en dedans pays, pour yo exonérer yo, pour yo protéger investissement yo fait là, yo pa fait parce que yo égaré. Yo fait parce que en retour, il y a une contrepartie qui pourra permettre que développement économique là li avance, qui pourra permettre que bagay yo aller plus bien, bagay yo aller plus vite, il y a plus moun qui joine travail. Donc, on veut comprendre que l'État pas égaré. On y a posé cette question, s'il y a possibilité pour gagner des investisseurs étrangers qui viennent investir en Haïti, pour venir mettre des zones franches en dedans pays. Mais qui ça fait, il paraît presque possible pour Haïti décoller tout bon, pour Haïti développer tout bon, alors que nous avons un paquet de départements qui viègent, nous avons un paquet de départements qui chita la bouteille, la paysan yo presque pas qu'à travailler, pas de moyens, l'État pas prêté l'argent, pas de cop disponible. Qui ça qui empêche que l'État assume responsabilité, mette sécurité en dedans pays pour faciliter des investisseurs étrangers qui viennent planter en Haïti. C'est la grande question. Mais avant de rentrer plus fond dans la cause, parce que je vais permettre de gagner information sur 16 000 emplois directs à 80 000 emplois indirects, est-ce qu'on peut pas me poser cette question pour demander qui ça qui empêchait nous tendez gen zone franche et industrielle, gen pa caracol. Nous tendez gen code de villa qui tout près, yo a fait produit ici a travail. C'est pas même trop bien payé moun yo, mais quand même moun yo yo al travail. Qui ça qui empêchait pour ta gagner des zones franches agricoles en Haïti? Et c'est là tout m'bral dou. T'as gen possibilité pour te gagner en Haïti en zone franche agricole qui implantée. Kounye ya, ou pral pose tête ou question, pour une raison ou pour une autre, li pa implanté. Qui ça fait le pa implanté? En 2012, sous administration Michel Joseph Martelian, président Jovenel Moïse te gagné projet yon zone franche qui pote nom Nouribio. Zone franche Nouribio ça, yot et pré initiative là, le président Jovenel Moïse te vin avec projet ya, c'est dans l'idée pour travailler de concert avec secteur agricole là, avec paysan yo, moun yo rele les oubliés de la République yo, travailler avec de concert, transformer produit yo et voyer yo à l'étranger pour yo al vendre sur marché international là. Comme projet, attendez bien ça m'bral di, hein, oui moun yo. Comme projet, c'est dans le département Nord, il t'a pral réaliser zone trou du Nord. Donc projet a sous matéli, projet a arrêté, li mouri, projet a tombé à tes plates. Gen moun ki a posé tête sur question, gen moun ki fait allusion, qui avance des hypothèses. Tout ça, ouais, que ce soit projet Nouribio zone franche, qui pas arrivé mette campé, qui pas arrivé prend vie. Que ce soit, et port qui pouvait fait dans Fort Liberté, sous matéli, qui pas fait là, yo dit que c'est mes Dominique qui d'elle. Comment on pral comprendre nos zones franches pral vini pour travailler de concert avec paysans, pour transformer produits, pour voyer al vendre vers l'extérieur, al vendre dans leur pays, et puis République Dominicaine, la pays voisin, nous là, c'est haïtien qui met devant, pour yon t'accepter vini des zones franches, eh bien, yon même la caille, yon pas besoin haïtien qui vini bourriquer pour yon, yon pas besoin haïtien qui vini travailler pour yon. Donc, moun sa yon qui gagne, qui avance hypothèse sa yon, qui fait approche sa yon, m'pas dit yon non, li pas impossible, li pas impossible, pour République Dominicaine chercher instrumentaliser comprendre tirer code là sur acteur politique yo sur nèg ki dans l'état yo que ce soit pour te empêcher Paul en fait dans Fort Liberté que ce soit pour zone franche Nouribio n'a gagné pour nous retourner là-dedans. Maintenant nous pral tande nous pral font ti parler sous question 19 entreprises étrangères qui besoin vin implanter au nord-est qui pral créer
près de 90 000 emplois au total. 16 000 emplois directs, 80 000 emplois indirects, c'est parti causé. Eh bien, monsieur Jean-Palerme Mathurin pour répondre à quelques petites questions pour nous. Parce que, ou même cap gade, ou même cap tende, faut qu'on connaît qui ça, Oasis Village International, zone franche-là, qui ça lié et qui ça le capoté pour payer dans les faits. En nous tende, réponse, Jean-Palerme Mathurin, Libral Banou, pour l'expliquer, ou même qui n'a diaspora, qui t'a remé rejoignant, ou même en Haïti là, qui voulait mettre Kobou en commun avec l'autre monde qui t'a remé investi, pour tendre exactement qui ça, Oasis Village International Frison, lié. En nous t'en dit ensemble. Projet ça qui n'a pas lié. Oasis Village International Free Zone, donc pour un haïtien, et c'est zone franche internationale Oasis Village. C'est j'en dis là, et c'est pas seulement en question de chiffres, parce que là où on parlait de où t'es kembé en pile chiffres, là nous t'as parlé de projet la dernière fois. Et ça qui est beaucoup plus est préoccupant, c'est que je dis à projet a doué commencer à marcher déjà, parce que ça fait un an et un mois depuis que nous et en discussion avec la direction générale des zones franches et pratiquement sept mois depuis que j'ai eu des contacts formels avec le ministère du commerce et de l'industrie et le ministère de l'économie et des finances du gouvernement haïtien. Et formellement, le dossier technique il passait tout établi et parallèlement, investisseurs, partenaires dans le cadre du projet, ça, yo, nous allons dire qui ça fait que et nous étions campés à porter le projet et avec toute détermination nous pour permettre que le pays a recevoir investisseurs, ça. C'est que et compagnie Panouan, qui est les Haïti Développement Industriel International SA, donc ADISA, ADIISA, compagnie ça a signé avec groupe investisseurs étrangers ça a un accord de partenariat qui bail compagnie Panouan l'entière responsabilité de conduire toutes les négociations de sorte que cette zone franche majeure c'est sous compagnie haïtienne non que c'est nous capotil. Donc c'est l'État haïtien c'est avec ADISA que l'a bien pour le signer accord là. Mm-hmm. Et c'est donc autrement c'est pas avec dit, c'est pas avec des étrangers. Non, c'est ça. Il faut pour démarche pour faire développement dans le pays étrangers capables de contribuer mais si les acteurs les joueurs nationaux pas qu'à jouer au rôle, investissement gain doit rentrer aujourd'hui et puis demain le reparti. Mm-hmm. Société ça que nous créé que l'ADISA lui-même c'est investissement haïtien que lié. Des haïtiens que l'on paye, il y a des haïtiens de la diaspora. Voilà. Il y a deux bagailles qui sont extrêmement importantes, je voulais attirer l'attention nous sous lui. Premier bagaille là, c'est moun qui pral gérer board là. C'est moun qui pral le conseil d'administration. Yo assuré yo que c'est haïtien moun sa yo ye. C'est pas comme si c'est parce que gen 19 entreprises internationales étrangères qui viennent en Haïti pour pral bay leadership là pour pral bay board là avec des étrangers. Yo make sure, yo assuré yo c'est haïtien qui a géré leadership là qui a géré conseil d'administration. Ça c'est youn. Deuxième bagay là, gen diaspora qui investit là-dedans. Donc, li pa un problème sou vle investi nan peyi ou pou mete tèt ou avec l'autre moun ki yo même partage même vision avò ou, ki yo même gen même objectif avò ou, ki vle vin investi, vin kreye travay an Haiti pou fèl. Donc, ça c'est deux bagay ki extrêmement important. À la surprise générale, et c'est là, le se bagay peyi kap regle, se bagay isen kap regle, li gros bagay qui important nan mitan tout bagay ou mettre de moun ap di pour rive desle. Non, zone franche kode vi nan Dabon et wana met Dabon etc. Zone franche kode vi nou wè la. Actionnaire majoritaire nan zone franche kode vi son entreprise dominicaine niye. Malgré que l'État déposséder, dépouiller, ti malere, malere, je nan plein bamariba yo, dépouiller paysan yo, prend terre yo, bay kode vi, pour faire zone franche.
Entreprise qui a géré zone franche, entreprise majoritaire dans zone franche sont entreprises dominicaines liées. Ça veut dire à tous les coups dominicains ont cherché en façon, y a créé moyen pour gagner pied au soukou haïtien. Avait dit si entreprise dominicaine nan journée jodi an la vle la gè chaleur, li vle la gè chaud nan département nord-est, li vle la gè problème nan département nord, quand on décide de dire que yo a fermé entreprise yo pa travay encore, yo font campé. Est-ce qu'on a qui quantité haïtien qui pral au chômage? Ou a qui quantité haïtien qui pral nan kouri? Ou a qui quantité haïtien qui pral nan problème? C'est parce que l'état pa pose baliz yo, l'état pa créé disposition. Et le Aristide d'affaires li en tout. Et ben les petits amis nèg yo t'a réglé, c'est bagay acolyte nèg yo t'a réglé, yo just fait comme ça. Et l'homme dit moun ki partisan famille la valasse tout t'a voué pied. Zone France ça, c'est en 2002 le fait. En 2002 qui est-ce qui était là? Qui est-ce pour ba autorisation? Qui est-ce qui pour voyer le publier dans journal officiel le Moniteur? C'est pas la présidence. C'est pas après toute bagaille fin réglé en dedans ministère commerce, en dedans ministère finance, etc. C'est pas à partir de là pour yon publier arrêté, hein. La valeur s'y fâché parce que m'di, sous Aristide, yon prend tes paysans nord-est, yon prend tes paysans plein de Mariba ou, bah, et dominicain. Mais c'est ça lié. Mais différence qui gagne journée aujourd'hui, là, c'est que, zone France, ça, moun kap gagne pour gérer Bodlan, moun kap gagne et pour gérer question majorité, hein. C'est entreprise haïtienne liée. On nous continue. M'bral permet ou visiter espace côté zone France li pral implanté ya. Et ça que Dominique yo, et ça que faut ajouter dans moment n'a parlé à là-bas, yo paraît un petit jour difficile là, oui. Li exactement face avec République Dominicaine. Nan bè de Man et Manissi. C'est là exactement lié. Est-ce que m'pa fait erreur? Non, non, Béa. Bé de Manceny. Bé de Manceny, c'est là li pral gagner pour le positionner. Bon, mais non visitel, m'pral mais non visitel, parce que, maté li pat vle fait port, là. Maté li pat vle construire un port international nan Fort Liberté pour bateau vin accoster, pour bateau vin débarquer marchandises là. Eh bien, avec projet ça, que Dominique est d'accord, que Dominique est pas d'accord, nous même haïtiens nous pral mobiliser, faut que peuple nord-est, faut que travail qui crée pour yo, faut que création d'emploi qui fait dans nord-est, faut que projet a faut que atterri. Si canal la Dominique pas ka barren, Dominique pas arrivé barren, et n'a fait tout ça nous connaît pour yo pas barren, eh bien projet ça qui ka utile communauté, qui ka utile département, faut que nous baillons j'arrête, faut que nous baillons coup de main, faut que nous faire voir initiateur yo passé pour projet à atterri. On nous font coup de pied dans bè de Manceny ou pral gagner tout bagay yo devant yo pour wè qui ça qui pral fait, qui niveau travail l'en pral lié. Le jeune ça qui plus semblé au désert et à l'eau. On a frontière haïtiano-dominicaine. Et dans Bay de Manceny, dans embouchure rivière Massacre, et qui séparait République d'Haïti de la République Dominicaine. Nous, l'autre bois, je dis, on a regardé là, côté qu'il y a un port, ça a construit, il y a un bel village qui l'autre bois, c'est en territoire dominicain. Et là, nous regardons sous bois qui pipe nous là, côté nous y est là, c'est République d'Haïti. C'est ça, nous y est là, je dis. C'est des trois pieds bois zéophytiques, avec des bayarons et quelques et cactus, et puis, mais pas grand chose. Et c'est là, en zone ça, que nous ciblons, que nous allons installer le port et spécial, partie d'un port spécial qui est dédié à la zone franche, Oasis Village International Free Zone. D'arrêt, que nous gardions l'image ça en tête, nous. De date jodi, mais qui j'en y est. Gardez le bien pour nous. Jodi, pas de personne, quelle que soit autorité, pas de yon qui gagne pied ou à tel là. Quel que soit moun riche qui gagne dans le pays, pas de yon qui gagne pied ou à tel là. Quel que soit tout groupe, pas de voler monter qui gagne là, pas de yon dans le voie là. Et pas de yon qui j'en prend liberté de montrer ça. Dans ça lié là, jodi. Nous-mêmes, nous avons préparé, nous avons discuté déjà
nous débattre avec un groupe d'acteurs. Groupe d'acteurs, ça, eux-mêmes. Nous allons mettre 621 millions de dollars pour nous créer une zone franche, ça. Et c'est juste un début que la pied. Regardez bien pour nous, qui ça, ça a souffert là, je veux dire. Cette petite couverture naturelle, là, bagala tellement raide pour un pile monde boy ici, hein. C'est tir couverture naturelle là qui a coupé pour aller faire charbon ou bien pour vendre bois. C'est ça qui vient là. Comme toute activité. Donc, nous, à travail, on a relevé toutes données. Et nous pourrons le faire systématiquement. De façon à ce que nous m'a demandé que nous joignions la volonté, l'accord et l'accompagnement du gouvernement de la République d'Haïti pour permettre que nous passer de zone ça qui plus semblait un désert et à un paradis. Oasis Village, non, on veut dire ça, on veut dire. Un oasis, son point de l'eau qui paraît dans un désert. Donc, zone franche ça, nous allons mettre la terre sèche dans wash ici là, là, et nous allons transformer oasis, nous allons transformer zone désertique qui paraît quasiment abandonnée, qui n'a pas aucune présence autorité. Aucun État qui a fait rien sur lui. Pas de personne qui pose nous une question dans la privée là. Donc, nous espérons que très bientôt, depuis le gouvernement haïtien, ben nous autorisation pour nous commencer. Démarches entreprennent déjà, démarches ont marché très bien. Nous espérons qu'il y a autorisé nous, mettez bien nous à terre et milliers d'emplois qui vont résulter de ça. Nous avons aimé que c'est ouais. Les NAPFEL mettent en œuvre. Au lieu que nous allons annoncer, Abdi nous allons faire ci, ça et là. Non, nous allons agir. Nous allons mettre les conditions qui pour permettre que nous agissions de façon collaborative et participative. Tout ça qui a valorisé un monde, un entrepreneur, un citoyen dans la communauté nord-est pays et dans la région nord-pays en particulier, qui a servi pour avancer avec le projet ça, nous allons mettre en valeur. Même genre, nous avons ramené tout intéressé étranger qui a apporté, qui a permis de faire parler d'Haïti dans de meilleurs termes. Parler d'Haïti comme une terre d'opportunité, parler d'Haïti comme une terre côté que les gens vivent bien, eh bien, nous avons mené là pour eux. Là, nous avons de l'eau en mer, nous avons le sol là. L'eau douce là, nous avons préparé pour nous mener là, nous disponible. Même genre, le commerce mondial là a passé. Mes amis, à moins que 100 000 marins, frère, regardez là, ouais, à moins de 100 000 marins là, ou bien tout commerce qui a passé, qui a sorti dans le canal de Panama, qui peut aller en Europe, ou bien qui a monté tout droit en face ou là, vers la côte est des États-Unis et du Canada. Tout commerce a passé devant nous là. Il y a des bagages, il n'y a pas besoin de dire nous tout de suite, parce que moment, bon moment qui va arriver, m'a retourné encore. On vient montrer dans la réalité, la quantité de commerce qui a passé au bord de nous là, qui quantité nous a permis qui m'a qu'on arrêt en Haïti. Et là, ça, c'est Haïtien qui a bénéficié du travail là. C'est qu'est-ce l'État qui a recevoir plus de dollars américains ou bien plus l'argent BRICS, parce que le monde a changé. Nous ne pouvons pas reconnaître qui est l'argent qui a payé, mais depuis qu'on est rentré dans la mer, l'État a mis l'argent qui a pris dans la caisse. Donc, voilà. Est-ce que nous, oui? Nous, qui quantité de tech gagné, nous, on bel l'an, mais qui était là, nous pas exploiter, nous pas utiliser, nous pas faire rien là dans lit. Alors que, tout près la caille voisin, République Dominicaine, y'aurait pour yo, bateau a pas costé matin, midi, soir. Bateau a pas costé, y'a a fait commerce avec le pays, et puis, y'a même, y'a toujours à chercher façon pour y'a barrer nous, y'a toujours à chercher façon pour y'a empêcher développement fait la caille nous, et puis nous-mêmes, y'a avlé pour nous rester tant égaré quand on a un GPT pour ne pas dire rien. Moi-même, moi, v'lais nous comprendre un grand bagay. Haïti pas qu'à développer sans que pas gagner des investissements qui fait. Que ce soit investissement direct étranger, ça nous est l'investisseur étranger, que ce soit Haïtien de dans pays, Haïtien qui dans diaspora, qui gagne moyen à la disposition, qui veut implanter musique de dans pays pour créer travail. De pour gen moun, c'est chita yop chita, matin, midi, soir, ou pas régler rien, li facile pour moun ça, pour l'an tout voxal, pour l'an tout vieux bagay. Tu jeune garçon, yo, jeune jodi, qui nan quartier populaire, yo, qui nan ghetto, yo, qui gang, qui gros bandit, kap kidnappé, kap touye. Mais, en sérieux avec tête, nous, si le ti jeune ti garçon, li te gen 15, 16 ans, 17 ans. Li te gen tan jwenn ti job, la fon ti job, la sot l'école, etc.
Ou pense li tap gen mentalité ça, mentalité côté que depuis on moun peut 1000 goudon, 5000 goudon, 10000 goud bali, li gen tan wè, ou comprendre fòl koube. Fòl rele oui boss, fòl di oui amen. Yo pote zam bali, li pral, yo pote bal bali, li pral, yo pote drog la bali, li pral, non. Yo tap réfléchi parce que pendant même rive nan stade ça, yo tap wè yo nan pays genye création d'emploi, gen travail k'ap kreye, k'ap fè ti job, li k'ap manye ti kòb li. Li t'a posé l. Li t'a posé l. Mais jounen jodi an, ki sa l'état ofri jen garçon yo? Ki sa yo ofri jen fòm yo? Soit madame bandi ou tout est bandi ou maman crey ou bien papa gang, ou comprenn? Ou gen boss ou nan secteur privé, gen boss ou nan l'état. Nèg politik yo, nèg opposition yo, yo a bò fè job, mete barricade, barricade se avnou. C'est ça qui fait li extrêmement important et li même plus qu'important. Journée aujourd'hui pour nous peser le pour et le contre, qui ça qui ka fait pour pays, qui ça qui ka fait pour Haïti. Et pas vle nous mettre dans tête nous bien comprendre que vu que c'est département nord-est qui visé, vu que c'est département nord-est yo pral implanter zone franche là dans pour ta mettre dans tête tout c'est seulement département nord-est c'est seulement moun wanamè moun ferye moun fò liberté ka bénéficier là parce que l'on parle de investissement étranger l'on parle de emploi indirect li vle di ça vle di an yo moun ki a travaillé par exemple 25000 goud ki gagne seul frèl. Chaque mois, le touche, le voyant 2500 goud fait le cadeau. Ce frère, ça, yo prend 2500 goud là. Yo mette un petit bac fritaille. Yo prend 2500 goud là. Yo mette, yo a vendu riz. Ou bien, par contre, on est qui ça, yo décide de faire comme entreprise. Un petit business qui monte, 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 monte. Arrive, nous, un an, deux ans, trois ans, si yo congéré, yo kabay l'autre moun travail. Yo ka créer l'autre emploi pour l'autre monde ainsi de suite ainsi de suite c'est ça on veut nous comprendre pour nous gagner comme te dit ça pour nous gagner mindset et businessman non pour nous gagner mindset et côté nous ouais c'est job pour nous créer c'est travail pour nous créer même avec deux goudes on ka vinn millionnaire même avec 50 centimes on ka vinn millionnaire tout dépend de capacité pour faire business tout dépend de ça gagner comme stratégie pour le mettre à terre c'est pas dominicain non. C'est pas seulement dominicain qui empêche Haïti développer, qui empêche nous gagner stabilité en dedans pays nous. Mais l'autre haïtien qui lui-même li wè ville seulement acheter la caille voisin pour venir vivre en Haïti, li pa wè s'il fait année ça la prend tomate en République Dominicaine. Année qu'a vini si Dieu veut, faut que lui-même li ka vendre tomate avec l'autre monde. Alors que le gen té là, li gen té là, côté té a passé, gen reprendre gen canal qui passé là mais li préférer aller faire facilité hein al prendre produit al vendre. Moi même konon konon jeune garçon li gen terre dans zone côté le gen terre dans zone ça m'était fait et entrevue avec des séries de paysans c'est presque dans même zone côté que président Jovenel Moïse te mette système solaire pour pomper de l'eau li gen terre là gen de l'eau tout près là mais il préférer chaque jour la faire chauffeur moto. Li préfère chaque jour, c'est sous moto, a, li pa gen temps pour terre. Là, me dit, mais où gen terre là? Mais pour qu'il soit pas créé en petit condition, il te mette après-midi ou rentrer vers 5 heures. Voilà, terre. Je dis, non, pas gen temps, parce que je me fais journée en la rue, je me fatigue. Ah, ça y est. Terre, li tout à terre là. Li tout à terre. Parce que moun yo vin gon l'autre mentalité. Yo vin gon l'autre mentalité. Question travail la terre pas intéressé. On nous avance. Eh bien, gagné un bail qui est extrêmement important que Jean-Palais Mathurin li partager avec public là. Qui ça le fait qu'on est? Dans mois septembre qui s'est passé à là, yo te gagné une échéance, yo te gagné une date limite. Date limite partenariat yo fait avec 19 entreprises internationales là. Li t'a pral permettre que avant date l'arrivée pour yo finaliser toute bagaille pour gouvernement Ariel Henry faciliter yo et vienne planter zone franche pour toute bagaille si malgré diverses tentatives qui faites malgré gagner contact qui prend de manière officielle avec autorité concernée yo ministère et commerce ministère finance et ministère environnement jour nan moment n'a parlé à là. Li presque impossible pour yon recevoir autorisation.
qui ça qui empêche que yo jwenn autorisation? Nan ki point yo ye avec démarche yo? Ou pral konnen. An nou tande explication monsieur Palerme m'a bay nan dossier ça. Et avec vous, en mois de septembre, nous t'ai demandé, premier ministre Ariel, tant pris, fait diligence pour que, avant le 30 septembre, il n'y pas quitté que, et mettez ni crédibilité pays, ni capacité acteur que nous-mêmes nous représentons à travers Adi en doute. Parce que lorsque, dans propre pays, il y a une difficulté pour l'autorité, prendre une décision, concernant un paquet d'investissements aussi important, côté que y a tellement de demandes pour mon travail, nous allons, dans l'intervalle d'un mois, 31 000 Haïtiens quittent le pays, à risquer la vie, en moyenne 5 000 dollars par tête de mon salaire minimum dépensé pour quitter le pays, pour transiter par le Nicaragua et aller masser sur la frontière mexicaine pour voir si on peut rentrer aux États-Unis. C'est sauter dans l'aventure. Partir à l'aventure. À l'aventure. Okay. Oui. Pour qui ça? Parce que pas gagner un travail. Parce que premier facteur de stabilité dans la société, c'est l'emploi. Deuxième facteur de stabilité, hein, c'est la sécurité. Oh, les pas gagner un emploi, gagner un pile bras qui était disponible pour l'insécurité. Bon, lorsque un projet comme ça, et vous avez un exemple, lorsque nous avons fait Caracol, Caracol a 6 000 personnes dans la commune. Là. Lorsque nous menons projet ça, je dis à la, même l'État par contre combien de personnes qui a travaillé ou qui a vivent et qui dépendent de retomber de la, du parc industriel de Caracol, malgré toute contrainte, tout défi qu'il y a. Je dis à la, et là, on a parlé d'une zone franche lui-même. Nous pas parler de yon deux trois petites entreprises. N'a parlé dans zone franche Oasis là de 19 entreprises étrangères qui candidataient signé pour venir installer dans projet ça. Et donc c'est 19 entreprises ça qui ont même déjà garanti 16 000 emplois professionnels. Et m'd'abdou que l'en a réfiguré 16 000 emplois, ça, il y a 3 000 là-dedans, c'est des étrangers, société ou abvina avec de moun, mais 13 000 en emploi direct, ça, c'est des haïtiens que vous souhaitez que vous ayez. Là, on a gardé quantité. Mais ça, c'est des professionnels, des professionnels. Importance travail professionnel, ça, et ambiance de travail, yo. Partenaire étranger, on dit, mais docteur Mathurin, n'a toute réflexion, ça, on a fait là. C'est standard de travail et européen, japonais, ça n'a pas l'air. 13 000, ça. Il faut que nous t'a considéré lui plus large toujours parce que niveau et régime de travail qui prend là et ça nous pensait que c'est un monde qui l'a fait peut-être c'est deux mondes c'est trois mondes qui va l'obliger à faire. Donc en termes d'emploi direct minimum non c'est 13 000 mais il est capable 40 000 emplois directs. Or nous connaît chaque emploi direct en industrie généré en d'un pays a entre 5 et 10 emplois indirects. Donc si c'est calcul ça qui baille environ 80 000 là oui nous partis de 13 000 enfin nous partis de 16 000 emplois directs et puis multiplier le par 5 les bon 80 000 les poussières. Donc c'est pas mal compliqué à faire. Maintenant un jeu qui vient là c'est que là nous ouais que gouvernement fait silence parce que nous gagnons de très bons contacts avec le ministère du commerce et de l'industrie que nous on est qui très favorable à ce que le projet a fait. Nous avons des bons contacts avec le ministère de l'économie et des finances qui c'est tout le monde qui dit nous tu as bien intéressé ouais projet à se matérialiser et dernière étape bah elle arrivée c'est la non objection de premier ministre là qui jusqu'à présent pas jamais prononcé. Question en pile mon a posé pour qui ça que fait premier ministre là pas voulait répondre. Moi même pas qu'à répondre dans place premier ministre. Est-ce que c'est peur ou qu'a pensé que ou pas le fond capital politique sous ça et qui capital politique ça non pose aux questions. Non mais frère, qui ça un job politique qu'a fait pour Jean-Palem Mathurin? Bon, elle est dans ma vie. Qui ça un job politique qui capital politique qui a tiré là? Non pays côté que mon a mouri grand goût, mon a hypothéqué la vie yo, il a vendu toute sa famille yo gagne beaucoup quitter pays là parce que yo pas ka vivre là dedans. Qui capital politique, qui gloire que mon ka tiré sur la misère des autres là. Là moi même m'a cherché investissement, m'a cherché créer richesse, m'a cherché créer opportunité pour le plus large nombre. C'est ça qui fait paix politique là. Alors sans vous envoyer des fleurs, je sais que vous avez bah fait au gain actif ou pour auditeur ka connait nous gain Caracol et pour gain help ou gain hope. Emploi plus sécurité égale stabilité. Ça, c'est extrêmement important. Parce que nous connaissons,
On paye pas qu'à fonctionner sans sécurité. On paye pas qu'à fonctionner dans le chômage. Donc, faut qu'il y ait création d'emploi. Faut qu'il y ait moun gal travail. Et sous pas le travail, ou vin tout nos potentiels délinquants. Ou vin tout nos potentiels bandits. Parce que, en Haïti, il est beaucoup plus facile pour politiciens investir dans le mal, dans le chaos. Il est beaucoup plus facile pour jeune secteur privé qui a fait importation que yo fait que yo encadrer secteur agriculture, encadrer paysan nou yo, coller épaules avec yo, soutenir yo pour faire pour mettre camper des usines de transformation dedans paysan pour exporter. Qui en pile zanmi les autant des questions 5.7 milliards de dollars américains. Qui dit que non pays tant que Haïti dans moment là. Qui est-ce qui a assez fou pour ta dire pour aller va prendre venir investir en quantité l'argent comme ça. Yon pays tant que Haïti dans moment là, côté que André Michel, Ariel Henry ak tout acolyte li yo, yo plus envirété dans la transition, yo plus envirété en dehors des principes constitutionnels que régulariser situation pour pays en marché bien. Ou pensez la jambe favorable, ou pensez monsieur ça la jambe favorable avec un pareil projet? Ça vient bon à réfléchir. Li bon à réfléchir pour plusieurs raisons. Si tout process yo fait yo, si tout ça qui supposé fait yo fait, yo contacté tout moun yo ta supposé contacté, tout autorité yo ta supposé contacté yo, tout suivi qui ta supposé fait fait, yo connaît que promoteur zone franche, m'a parlé au de Adi, m'a parlé au de monsieur, j'ai parlé maturé, yo connaît moun sa yo, yo gen yon ultimatum, yo gen yon échéance devant yo. Si gros investissement d'envergure, toute quantité d'argent ça que moun pare pour investir en Haïti. Alors que nous même qui dans l'état, c'est volé n'a volé, c'est corruption n'a fait, c'est poche nous n'a plein, c'est détourner n'a détourner l'argent, faut que nous t'a dit oh, gloire à Dieu. Faut que nous t'a fait fête, faut que nous t'a content volé en l'air parce que nous ouais gen moun, gen haïtien qui a cherché opportunité, gen moun qui a créé opportunité pour pays. Mais nous ouais monsieur yo c'est temps y a fait passer nous ouais monsieur yo ces affaires pas yo a réglé pas aucun problème code douanier code fiscal et loi qui créé et qui institué question zone franche yo dit mais comment ça supposé fait doit gagner un contrôle financier qui fait pour yo connaître est-ce que moun yo gen l'argent moun yo gen l'argent yo disponible yo pas pral mander on a prêté l'argent yo pas pral mander prima tu prêté l'argent yo gen l'argent yo disponible. Koun y a gen yon contrôle technique qui fait. Terre, yon gen terre qui disponible. Yon gen terrain qui disponible, yon gen espace qui disponible, avantage yon gen yon, yon gen yon le bol en mai. Moun yon ap tout mette kampe pour yon pour yon gérer question exportation. Oui, c'est rôle l'État, c'est job l'État pour chercher, contrôler, régulariser, pour chercher toute faille qui gagne. Mais, si nous revenons pour côté que tout ça que supposé fait, yo, nous fait, yo, mais qui ça Ariel Abtan? Est-ce que c'est Abinadel qui dit Ariel, impossible Ariel Henry, nan figim nan la, nan boule figim nan, nous pas ka vin mette un port, alors que, ancien président Matéli, il te gen intention vin fèl, nous te dit non, li te campé, qui ça qui empêchait que véritablement, projet a li prend vie? Mais nous-mêmes, nous sommes grands timoun, nous ouais comment gouvernement Ariel Henry a géré dossier canal. Donc ça pas étonnant que même mes dominicains, même mes Abinadel, même mes gouvernements dominicains, yo nan refus systématique pour l'état haïtien ba approbation yo pour l'état haïtien ba autorisation ça que compagnie yo a tenu. En tout cas, n'a pas suivi. Maintenant, parlons de fiabilité. Parlons de matérialisation de projet à de zones franches. Comment ça pral fait? Qui j'en ça pral fait? À qui vitesse pral fait? Comment l'argent pral investi? Monsieur Mathurin pral ba nous réponse ça. Réaliser et un projet, premier bagaille là gain. Nous ra dit gain dans qui réseau de relations moun goyé. Qui réseau de contact qu'on gagne dans le monde des affaires, dans le monde des investisseurs internationaux. Ça, c'est un premier facteur. Ça, l'ILA, sont actifs. L'ILA, côté. Docteur Jean-Palem Mathurin, soit parler de Hope, de Help, parler de CARICOM, parce que ça, c'est des bagages qui sortent dans l'isolement, qui permettent que nous rentrions dans des marchés plus larges, qui rentrent dans l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne et la CARIFORM.
qui encore une fois élargit marché nous, plus arrangement ça que nous gagnons Hope Help avec les États-Unis, il n'est pas limité seulement à textile. Il y a une quantité d'autres produits, services, dès lors que l'opérateur haïtien a joué un contact, accès au marché américain, c'est entendre pour entendre puis au produit, saturer le marché ça. Possibilité gagnée dans le monde pour affaire que Haïti a servi, nous pas connaître, parce que nous pas investi, nous chercher qu'on est ça. C'est ça qui va permettre que, et capacité pour matérialiser projet ça, capacité réunie déjà. Ça qui est difficile pour joindre ces investisseurs. Moi, je dis, ça fait un an, un mois, que nous signons déjà un accord de partenariat avec non seulement un groupe majeur dans le secteur minéral à l'échelle mondiale. N'importe qui qui attend de nous là, qui a écrit sur Internet là. UPH and Blue, B-L-I-E, gardez pour yon, s'allier. Qui c'est partenaire majeur ça avec lequel groupe Panouan ADI, A-D-I-I-S-A, signe un partenariat pour nous ouvrir zone franche ça. Donc, premier bagage là, c'est acteur qui a venu. Donc, ça veut dire qu'il y a des étapes qui déjà franchies. Qui finit franchie déjà. Qui finit franchie déjà. Deuxième, bah, nous signons un partenariat ça. Deuxième, l'autre bagage, il y a 18 autres entreprises plus groupe ça qui signe avec nous. Que y a venu installer là. Ça veut dire, marché à Haïti, ça, nous, nous, oui, marché ça, pour parler là, marché a existé déjà pour nous. Moun ça, y'a pas venu demander ton goût dans Haïti. Il y a vina technologie, il y a vina marché, il y a vina cobio. Ou pas craindre qu'il y ait dit qu'il y a vina voler l'or et pétrole et autres, comme ça? Alors, c'est une question qui est extrêmement intéressante. Question, est-ce qu'il y a vina voler, est-ce qu'il y a pas vina voler? Et voler, le développement dans le monde, c'est pas sous base de voler, le construit. Le développement dans le monde, il construit sous production richesse. L'or a produit richesse, ou a pas tiré richesse. C'est même genre, l'or a produit l'amour, ou a pas tiré l'amour. Mais l'or a produit haine, ou a pas tiré haïssement, tout le monde a peur. Là, Haïti, pas de problème avec le monde. Haïti, il y a des petits problèmes localisés dans la Kaili. Et Mabdou, ce n'est pas des problèmes qui sont difficiles à résoudre. Et autorité pays, au compte ça. Si on ne veut pas résoudre, on ne veut pas résoudre. Mais ce n'est pas ça le plus gros problème. Je dis un gros problème à Haïti, ça lié. Haïti, pas de quoi. Donc, pas d'intérêt en Haïti. Si tu as intérêt en Haïti, je vous garantis, ça va pour là. Mais pas bien simple. En tout cas, excusez-moi, tu es un ambassadeur qui dit hate is too rich to be poor. Non. Et blague de bail ça? Non, c'est pas ça. Ça veut dire que ou gen droit, gen de potentiel. Haïti gen de potentialité. Parce que ou gen une différence entre le potentiel et le réalisme. Réalisme, là, c'est cache sonnant et trébuchant. Je dis là, en Haïti, il suffit qu'on regarde qui capitalisation secteur bancaire haïtien. Ouais, mon marché, côté que, si gen, en nous prend 19 entreprises, une seule entreprise après l'investir 5,7 milliards que le commander équipement seulement déjà, de commander équipement ça. Maintenant, ou bien 18 leurs entreprises, que ce soit dans le secteur électronique, que ce soit dans le secteur assemblage d'équipements sophistiqués pour les secteurs bancaires, donc par exemple et ATM machines ou bien les bases, les technologies qui a accumulé les informations sur les secteurs de télécommunications et secteur banking. Compagnie ça, c'est des gros investissements qu'il y a vu de mettre là pour qu'il produit. Mais pour qu'il produit là, tout, vous comprenez que c'est des compagnies qui existent déjà à l'échelle mondiale. Donc, qui prennent en mesure de connecter Haïti avec le marché mondial là, sous plusieurs bagailles. Nous, là, on a venu avec, là, nous venons garder, nous avons 19 entreprises qui positionnent pour venir installer. Et puis, là, on a fait assessment environnement, zone ça, dans le pays. Là. Et puis, nous rendons compte que, pays, dans la zone côté nous allons aller, dans le nord-est pays, ou même dans la région nord-pays en général. Alors, tout le canal là? Non, mais canal là, on partit là-dedans qui passe sous Ferrié. Zone franche-là pour aller installer sous Ferrié. Zone franche-là a installé sous territoire Ferrié et là, elle finit dans baie de Manseni. Et m'te dit nous, dans baie de Manseni, là, dans le bord ouest, c'est Haïti, bord est là, c'est Dominicani. Nous avons compris que il y a de gros intérêts, oui, qui doit et fait peur à certains monde. Parce que, dans le service que zone franche a besoin pour fonctionner, aucun dans le service ça n'a pas existé dans la zone. Parce que je parle de ça, pendant que nous avons pour le gouvernement, on a dit que le gouvernement pas bay objection, pas non objection ni par rapport à la question, mais, il y a d'autres dinosaures en Haïti qui généralement qu'on oppose à des, et même l'international également qu'on oppose à des projets qui visaient, par exemple, le développement pays. Il y a
On partit dans le secteur privé, on n'est pas d'accord, on sait de bien faire tout si on n'est pas impliqué là-dedans, si on n'est pas involé là-dedans. Par contre, bon, si on va changer. Écoute, ouais, moi-même, j'en parlais de Mathieu, moi, au service de pays, moi, je parlais à tout le monde. Parlais, même j'en parlais avec nous dans le secteur média, nous parlais avec paysans qui sont dans la région Nord, nous parlais avec le secteur d'affaires qui est dans la région Nord. Là, nous venons sous métropole. Certainement, c'est pas le plus petit paysan qui n'a X section communale de Ferrier qui attendait nous sur le point de métropole. Mm-hmm. N'a pas allé avec l'élite haïtienne tout. Aussi. En fait, espérer que attendait. Oui. Qui ça pauvreté dans le pays? C'est lorsque son seul petit bagage tout le monde a couru sous lui. Richesse dans le pays, c'est lorsque on a une diversité d'opportunités qui permettent que tout le monde capable de joindre ça au besoin sans avoir besoin de raïn ni goumer à l'autre. Mm-hmm. Je dis là, par exemple, l'argent dans le pays est extrêmement cher. Il suffit que vous traversez les frontières, vraiment. L'argent pour travailler dans l'industrie, beaucoup plus bon marché. L'argent, l'État a collecté dans tout le pays à côté de nous, bien élevé, parce que la production qu'a faite dans le pays, ça a bien élevé. Ça, l'État qui a collecté la caille pour payer les minima de services, n'est pas qu'à contrôler, parce que pas d'activité dans le pays. Mm-hmm. Maintenant, si nous arrivons dans le point ça, qui fait n'a perdu c'est temps n'a perdu là n'a fait toute considération ça moi même dans le ça c'est notre travail m'ta doué c'est vrai que son travail m'a fait là communication pour expliquer moun yo mais ça ne t'a pas capable faire sur le terrain là aujourd'hui que ce soit un voyage pour chercher l'autre investisseur pour mener travail mener opportunité mener crédibilité mener réputation à pays hein il t'a plus servi tout le monde que vienne passer une autre temps chita non antenne de radio et de télévision à parler moi non. Tout ça, pas qu'on est plus grand pas ça. Donc, ça pour permettre que nous matérialiser le projet ça, celle ça qui bloque aujourd'hui là, c'est non-objection Premier ministre là. Si Premier ministre là, attendez, et me pense qu'il y a monde qui travaille à côté, M. Théodore, qui a dit, que lui dit, pour tout pays, le projet n'a pas intéressé. Si vous avez courage, vous pensez que le pays a suffisamment d'activité, le pays a suffisamment de crédibilité, le pays a suffisamment de réputation. Il faut que vous dites, projet zone franche, oasis village, ferrier, pas intéressé. Laisse ça, moi-même, je retire ce projet ça, je vais le concentrer pour me faire l'autre bagaille. Parce que ce n'est pas seulement ça que je me fais. Très bien. Maintenant, ok, mais, donc pour comprendre que oui, la capacité pour nous faire bagaille ça, un, c'est que faut que l'État haïtien, parce que taille d'investissement, et position géopolitique et géostratégique, investissement, ça va le représenter pour le pays. Si l'État n'est pas capable de dire oui, il n'y a pas capable de la tête là. Deuxième bagaille là, ça qui t'a frené non là, c'est l'argent. 19 entreprises, ça n'a pas de problème d'argent eux-mêmes. Au contraire, il y a mené l'argent en plus dans le pays. Troisième bagaille là, c'est marché. Moi, bon, peut-être dernière fois, nous parlions, bon, nous parlons de liste d'entreprises qui viennent là et diversité de secteurs et d'opportunités qui viennent travailler là-dedans. Tout ça, yo, marché mondial là, demandé yo. Mais pays a tout à demander tout ça que zone franche ça a fait. Et heureusement, loi sous secteur zone franche dans pays a dit que si on installe un opérateur dans zone franche dans pays a, il est capable de produire et écouler jusqu'à 30 à 35% de production dans le pays. Donc, quand il y a des bagages, n'a pas acheté même papier toilette, des bagages de base, pays a pas produit rien industriellement encore. Le fait qu'on a une grande capacité industrielle, un grand espace qui est installé pour faire production industrielle, on a paquet l'autre entreprise en plus de 19 entreprises techniquement avancées, ça, on a paquet l'autre entreprise de services que pays a besoin, industriel, distributeur industriel qui est dans le pays, qui est en mesure qu'on y a d'approvisionner à partir de zones franches qui a installé dans le pays pour permettre que réponde à besoin pays. Docteur Mat. Ça qu'on dit nous, monsieur Jean-Baptiste Mathurin, il pas seulement aller dans média pour aller en mouer des gouvernements. Il pas seulement parler avec peuple haïtien, parler avec moun nord-est, moun wanamet à travers message qui passé dans média etc. Eh bien, il profiter de mouvement qu'a fait sous canal là sous rivière massacre pour le mettre pied la terre pour le faire coup de pied pour la rencontrer paysan yo pour la rencontrer population pour la rencontrer peuple wanamet parce que nous connaît oui nous besoin canal là mais après canal là c'est qui ça nous pral faire c'est comment nous pral faire c'est comment nous pral accompagner paysan yo et bien pour de l'eau arriver à l'intérieur paysan yo il y a besoin de série de bagailles.
Pour paysan yo rive jwenn glou a tout bon pour ouze jardin yo, gen accompagnement yo a besoin. Pour paysan yo fè dlo sa ki pral ouze jardin yo, fè manje, gen accompagnement yo a besoin genyen. Eh bien, monsieur Mathurin li décidé engager nan bataille pour après canal ak paysan yo. En nous tande déclaration li nan micro Chenon Osni ki li même sous place nan Wanamet. En nous garder étendu ensemble. Nous venons faire une commission d'évaluation de ouais, qui est état d'avancement partie de captage de l'eau, prise d'eau là pour mettre le canal là, d'une part. Mais ça qui est important, nous venons garder, nous aller dans le périmètre rivière pour aller voir l'aide de l'eau arriver. Comment l'équipe disposition qu'il a pour prendre pour permettre que l'eau ça ne va pas mettre plus de bataille entre producteurs, mais d'autre part, comme nous connaissons le système d'irrigation pas là. Donc, nous venons garder pour nous voir comment nous pouvons aider pour mettre en place un bon système d'irrigation avec les canaux secondaires et les canaux tertiaires qui permettent que l'eau a vraiment arrivé, joindre les paysans au côté de besoin. Docteur Falem Matin, l'eau qui va visiter travailler dans le chantier construction canal irrigation Massaclan, qui constate qu'on fait, qui sont dit tout en tant qu'haïtien, en tant qu'agronome? À la fois parce que agronome que moi, si pas de l'eau, pas de possibilité tellement pour nous faire production. Donc, première impression, moi, c'est que je suis très content. Et je suis encouragé les Haïtiens, je suis encouragé les gens dans Wanamet, je suis encouragé les paysans à planter, pour une raison très simple. C'est que si vous ne faites pas, vous même pas de monde qui fait vous. Donc, c'était tiens absolument d'abord à féliciter. Maintenant, le sentiment que j'ai, c'est que ça, son premier pas. Certainement, il faut que vous finissez de capter de l'eau là. Et donc, nous avons encouragé et tout ça nous capable de faire pour aider, pour compléter le travail. Ça. Malheureusement, le genre de travail, ce n'est pas des travail qui quand on est prêté comme ça, pour vivre au fait. Nous demandons une planification. Donc, malheureusement, la planification, ça n'a pas de fait. Et nous avons besoin de monde qui va aider mon dans le canal là. Et vous pensez que le bagage a commencé trop long. Parce que grand pile temps qui a passé là, nous avons plus que 2 mois. Donc, nous pensons que il va être intéressant et nous parler avec l'équipe qui a géré le comité canal là. Pour nous dire que l'état est important pour que nous gagnions des données qui pour dire que nous avons commencé telle date, mais qui s'en a fait, qui prend tel temps et que nous avons fini dans telle date. Sous partie ça. Donc, la sensation que j'ai, c'est que bon volonté pour nous servir au pays. Bon volonté pour que nous ayons des paysans, parce qu'en pile dans nous sommes des descendants de la paysannerie. Donc, nous avons un bon sentiment d'aider nous pour nous permettre que nous augmenter la production de la caille et permettre à ce que les Haïtiens, quand ils mangent le produit de la caille, pour manger la caille. Donc, sentiment que nous avons engagé pour mener les choses ça, sans que nous n'ayons pas jusqu'à présent aucun appui d'État dans nous, sont des choses qui font nous très fiers. Docteur Jean-Paul Mathurin, vous connaissez le département de l'Ouest très bien. Dis-nous d'après vous-même, en termes de renforcement agricole, canal ça qui est capable de porter pour le département de l'Ouest en plus? Et en termes de sa prise de ça qu'a fait pour le secteur agricole dans Bamaribaou, c'est que l'ICA permet qu'il y ait 2000 sous 3000 hectares dans la zone ça, il y a 2000 hectares qui sont capables normalement d'irriguer. Ça, c'est un premier et son gros bagage de la vie. Bien entendu, ce n'est pas lui seulement qui a irrigué 2000 hectares. Il y a de l'eau déjà qui a arrivé dans la zone. Là. Donc, c'est compléter de l'eau, ça va permettre qu'il y ait complété ça qui est là déjà pour permettre que y ait capable d'irriguer un petit peu plus. Donc, ça c'est une. Et c'est un bagage qui est extrêmement important. Mais deuxième, l'autre bagage là, pour connaissance de département, nous croyons que l'important à ce que l'autorité qui est dans le pays réfléchisse sur comment pour mettre en production non seulement 3000 hectares, ça. Mais c'est que, on a pratiquement 13 000 hectares de terre agricole et prête à la production qui n'a Maribaou, à Ho et Ba Maribaou. Il est important pour mettre ensemble de espaces en production. Donc, ça demande des investissements en infrastructures agricoles et hydro-agricoles. Ça demande de crédits pour producteurs. Ça demande tout des équipements qui pour permettre que Mounio ne se pas avec vous seulement pour y aboumer. C'est que, il a besoin d'agriculteurs, il a besoin de tracteurs qui pour permettre que la bourrage la fait plus rapide. Et qui permet que nous produisons 3 jusqu'à 4 écoles pendant l'année. C'est des bagailles qui sont possibles. Et si nous avons fait 3 à 4 écoles pendant l'année, certainement, le pays a importé moins de manger et le pays a besoin de plus manger pour manger. Donc, ça, c'est des décisions qui demandent un appui direct de l'État et du gouvernement qui pourra permettre que les bagailles soient faites. Mais l'autre bagaille encore qui est intéressant, c'est que faut que nous ne pensions seulement à produire matière première. Et en plus, le petit monde qui est dans le secteur agricole, pas un agriculteur eux-mêmes. En plus, le monde sait apprendre des métiers. Il faut que nous pensions à créer d'autres emplois. Et même s'il y a dans le secteur agricole, là, c'est notamment dans le secteur
qui a transformé les produits agricoles pour mettre la valeur ajoutée sur eux. Et là, on fait ça pour les produits disponibles pour respecter. Au lieu qu'on a importé des bagailles sous main sur l'autre côté, c'est des bagailles que nous sommes capables de fabriquer la caille tout. Les mêmes bagailles, ça tout, il faut qu'on mène notre emploi pour nous. Travail pour nous. Moi-même, je viens là, j'ai une deuxième bagaille qui fait venir là. C'est que je travaille, je boumé avec l'État haïtien pour avoir une autorisation pour nous vers une zone franche. Qui est même capable de faire 16 000 emplois directs et 80 000 emplois indirects. Jusqu'à présent, il n'y a pas de dernière autorisation pour nous commencer le travail. Donc, encore une fois, le secteur agricole est extrêmement important, mais le secteur agricole n'a pas embauché tout le monde. L'exemple bien que vous gardez là, pour un paquet de monde qui là, c'est derrière le pain quotidien là. Vous venez pour vous écouter dans le canal là, mais c'est parce que vous avez l'autre activité que vous faites. Qui fait au vine bouffer là, donc quel que soit ce qu'on fait là, vous faites pour vous écouter. Mais si nous sommes capables de plus de canal là, développer possibilité pour nous rejoindre notre emploi pour nous faire dans la région, et bien nous avons un pays beaucoup plus de services. Donc c'est la deuxième bagaille qui mène à l'île. La prochaine fois, nous allons et m'inviter où pour ce gros conférence que nous fait mercredi dans l'université en bas. Dans l'université Limonade là. Et nous allons faire le point parce que ça, c'est des zones franches dont nous allons parler. Et dans les zones franches, nous allons parler de l'intégration régionale. Comment une activité industrielle capable d'entraîner toute une partie dans le pays à se développer. Donc c'est ça qui mène le deuxième principal réseau qui mène dans l'Ouest. Je dis à Dr. Palem Mathieu, on va visiter avancement travail dans la canalisation sur la Yon Saclan. Ou bon l'autre chapeau, en plus d'agronome, du nom Situ Polan, et qui vient visiter le chantier. Qui ça nous porte en termes de support pour avancer travail là? Nous connaissons que le conseil est vraiment important. Et sur le plan technique et économique, qui ça nous porte exactement? Nous sommes au coup de main déjà. Autant de temps, nous sommes au coup de main. Nous sommes à peu près 240 sacs ciment. On a travaillé à commencer. Et là, nous venons dans vivre aider pour l'autre bagaille. Nous allons garder pour nous en fonction de sacrété pour faire. Et notamment dans le système d'irrigation. Pas sous prise là, parce que prise là a suffisamment d'engagement pour consommer déjà. Nous espérons qu'il a fini avec prise. Mais parallèlement, les prises là finissent mettre en service pour mettre de l'eau dans le canal là. Nous avons des problèmes pour redistribuer de l'eau dans la zone et Bamaloubaoua même. Donc c'est là qu'on a mis le temps à garder ensemble avec les responsables et association et comité, comment nous avons venir en appui dans le cadre de ça, nous sommes capables de voter effectivement un coup de main technique qui pour permettre que la conception système d'irrigation pour mettre en place. Donc, nous avons parlé tout avec ancienne mission technique gouvernementale pour nous connaître qui ça a fait tout. Donc, si nous n'avons pas avancé avec lui, nous-mêmes, nous en mesure à ce niveau-là d'aider à avancer avec conception. Plan d'aménagement pour mettre canal d'irrigation en place. Deuxième bagaille là, c'est comment pour nous renforcer producteurs de façon à ce que yo capable pas seulement rester sur 2000 hectares mais aller sur 3000 hectares. Ça veut dire que ça veut dire non seulement il y a possibilité pour que nous t'agarder si c'est deux ou trois pompes solaires en plus qui va gagner côté de l'eau canal à bagarre pour que nous continuer joindre de l'eau au travail. Mais tout, c'est garder pour qui l'autre forme d'entreprise qui va venir à côté yo, qui va ajouter valeur sur le produit que la faire. Donc, nous avons aidé, non seulement nous avons investi sur ça, mais nous avons aidé tout dans le VECOM pour aider à construire le système d'irrigation. Donc, ça, c'est le deuxième et troisième gros aspect qui mène là. Et si tu es un docteur Palem Mathieu, une structure politique ou bien celle qui fait partie de ce système-là? Une structure de la société civile d'Haïti, qui est le Potomitan. Okay. Et Potomitan ouvert un site web qui est le canal Potomitan. Site web, ça, l'a dédié uniquement pour rapporter qui ça et qui appuie. Capoter pour aider ce canal là qui nous compléter et permettre à ce paysan de tirer satisfaction de système d'irrigation qui a associé avec le canal. Voilà, nous tendez, nous garder. Li clair que si c'est pour volonté, pas manquer volonté. Et mouvement canal ça, construction canal sous rivière Massaclan, li permet nous découvrir un paquet de bons grains haïtiens. Un paquet de bons grains haïtiens, moun qui vraiment gen volonté pour servir pays yo, moun qui dévoué pour cause haïtienne nan, moun qui ta remé wè pays a changé tout bon, moun qui pas besoin rien en retour pour impliquer yo nan changement pays yo. Nous wè toute catégorie moun, nous wè toute qualité moun, nous wè wow. Franchement, mouvement wana met ça, mouvement canal ça, faut que nous battons petit bravo pour Abibi, yes, battons petit bravo pour Abibi parce que Abinadel, li font belle bagaille pour pays, li font belle geste avec pays. Nous wè qui sa tête ensemble café. Nous wè qui sa unité café. Nous wè qui sa solidarité café. Tout l'argent ça dépensé dans canal sous rivière massacre, c'est nous même haïtiens qui fait.
C'est pas ni BID, c'est pas ni NUD, c'est pas ni SAID, c'est pas ni PAM, qui est-ce encore? C'est pas eux-mêmes qui font. Bon, garanti, si c'est eux qui t'as fait, eux t'as fait, Jean Canada fait nous là. Dans 100 millions de dollars, dans 100 millions de dollars, oui, si bloc seulement que t'as monté, t'as bougé 42 millions de dépensés. Gè 50 millions dépensés. Et ça, dans toute transparence, nous ouais rapport comité canal là-bas, nous ouais implication chaque grain haïtien, nous ouais implication chaque moun, chaque boss qui a travaillé sur canal indistinctement. Et avec mouvement canal ça, avec construction canal là tout, gè la vie en pile moun qui changé. Gè la vie en pile haïtien qui change là, des séries de moun, Jean-président Jovenel te konre le yo, les oubliés de la République. Grâce à avec mouvement canal là, al nan jardin, al rencontre paysan, tizo le spécimen découvri Mami Claire Gina, qui a 80 ans, li fait carré à voye koutrou. Et nous même haïtien qui conséquent, qui comprennent, qui ont nécessité pour nous aider, que nan Haïti, que nan diaspora, nous dit fuck nous retirer mami en situation ça. À 80 ans, pas qu'à continuer, qui ça nous fait? Nous collaborer, nous mettre ensemble, nous bal marchandises, nous changer pot la kaili, nous voyer l'hôpital, nous faire, nous font paquet de bagaille. Aïe, opérateur Yvon. Opérateur Yvon, nous fait entrevue avec lui. Nous avons nécessité pour nous aider. La font sacrifice qui était madame, qui était petite dans l'ouest. Alors que l'été était bien loin, alors que l'autre bagaille personnel, il était qu'à régler, il t'a bien réglé. Il dit non. Il dit c'est là pour lier. Si on perd l'escavatrice que Philippe mettait à voyer, c'est lui-même qui a conduit. Alors que l'état, département, qui perd l'escavatrice, il n'a pas décidé pour y prêter canal, il n'a pas décidé de mettre à la disposition de canal là. Que lui même lui quitte tout ça lien pour le faire lui vient sous canal là ça son sacrifice qui pas rien pris pour quand tu t'es boss qui quitte activité yo t'a fait majorité moun nan Wanamet majorité moun nan département nord-est le frontière te va et que va c'est république dominicaine acheté en Haïti pendant frontière a fermé yo quitte toute activité yo malgré les contrebandiers oui yon paquet l'autre vagabond yo dou yo même yo pas care commerce la mettre campé activité von qui achète par République dominicaine pour venir en Haïti yo met campel mais faut canal là construit madame yo vinn sous canal là yo vinn sous canal là pendant que pote ko gen l'école petite yo vinn sous canal là nous wè agent ça pour paquet jeune garçon yo gen madame yo gen petite gen qui nan difficulté nan moment pour voyer petite yo l'école mais ça pas bridin yo que l'état central pas paye yo non. Ça pas bridigne, ça pas étonné, ça pas intimidé, ça pas fait rien non que yo pas gon chèque cap sorti en dedans ministère finance chaque mois. Yo pas gon salaire cap vinn jwenn yo. Yo campé là sous canal dès le début. Yo là toujours. Dominique intimidé yo, menacé yo, rale zam, hélicoptère, drone, yo la pirède. Mouvement canal là, li ba nou bagay que n'tap chèche depuis longtemps. Sentiment d'appartenance, li fò santi ou appartenu avec un pays, ou se citoyen un pays, ou a vive non pays, ou gen intérêt pour défendre pays. Li ba ou élan patriotique, ou élan citoyen, c'est ça nous tap cherché. Et haïtien qui pas vivre en dedans pays, qui vivre dans diaspora, yo implique yo autant que moun ka vivre en dedans pays. Bravo pour nous tous, bravo pour nous tous, kembe la continue. Ça n'a fait pas de prix, travail n'a fait pas de prix, il n'a pas d'étiquette sous lui. Tellement son bon travail, son bon sacrifice n'a fait. Mais faut que moi dis, nous, bon bagay, nous tapons depuis plus passé deux mois. Depuis le jour même que Abinadel te prend décision fermer frontières avec Haïti, nous tapons que l'autorité locale, yo positionné, l'autorité locale, vous comprenez, yo prend des décisions communales qui ont pour avec gestion collectivité ou en là. Eh bien, finalement, le magistrat Luma Demetrius, li ouais, j'en niveau contrebande, li a cheval devant dégrenger sous frontière, des séries de vagabonds avec vagabonds, qui allait dans contrebande en République dominicaine là gè poule en bas dans rivière au lieu yo kite agent polifrontio saisi yo au lieu yo kite agent douanier yo prend yo préféré al fè pou li al nager al noyer la gè en bas des séries de jeunes femmes jeunes garçons qui prend produit dominicain fourré dans fouk yo
fourré dans doyo en base sel yo. Tout bagay ça ou son honte. Eh bien, pour arriver freiner question contrebande là. Pour arriver freiner question problème haïtien qui pas les oreilles pour tendre qui pense c'est blague n'a fait, qui pense c'est pas bagay sérieux qu'a régler sous frontière wana maintenant. Eh bien, dans une note conjointe que délégation départementale nord-est li publié de concert avec direction départementale commerce avec industrie mettez sous li mairie wana maintenant, eh bien yo prend ensemble de disposition contre tout contrebandier, contre tout zéfeis, contre tout machin désagrément qui pa vle suspend à l'acheter produit dominicain yo nan men yo, à l'acheter malpropre dominicain nan men yo n'importe qui gens pour venir rentrer sous sol haïtien avec lui. N'a pas gardé avec moi note là. Nous pral fon résumé pour vous pour qu'on exactement qui ça qui dit la donne. Yo commencé pour yo dit que délégation départementale nord-est, délégation départementale ministère commerce et industrie, mettez sous les mairies wana maintenant. Yo informé public là en général. Yo informé commerçant yo tant que c'est comme machin, ti machin yo, ça nous relé et commerce informel là, tant que machin normal yo que gagne disposition qui prend. Disposition formelle qui prend pour interdire tout accès à pont frontalier ou bien bande frontalier dans la commune Wanamet au fin de traverser la frontière et de revenir avec des marchandises. Ça veut dire interdit tout le monde qui a faufilé quoi rentrer en République dominicaine pour aller acheter produits dominicains pour sortir avec lui. Interdiction formelle. C'est là qu'on a commencé à comprendre ce qu'a fait dans Wanamet là. C'est qu'on a commencé à comprendre ce qu'a fait sous frontière Wanamet là. Lorsque c'est autorité doit comporter en tant que tel. Nous bon commune n'a géré pas quoi l'ordre là c'est juste Port-au-Prince pour ta sorti. Et c'est ça me t'a dit depuis bien longtemps. Gien ensemble de dispositions, gien ensemble de mesures qui supposé prendre, nous pas besoin tant de ministère intérieur. Nous pas besoin tant de direction ministère intérieur. Nous ka prendre nous-mêmes dans commune nous hier. Tout le temps n'a parlé de décentralisation, n'a parlé de déconcentration. C'est comme si n'a dit bagala mais nous pas voulu appliquer. C'est comme si n'a dit bagala mais nous pas connait s'allier. Eh bien, moment arrivé tout bon pour gagner une réelle décentralisation qui fait. Chaque moun a géré commune yo, chaque moun a géré département yo, jan yo konnen pour faire respecter la loi, pour faire respecter principe yo. Yo continue pour yo di, et la bagay lan bel, sanction, et puis, amende, sanction, tout bagay yo, pral konnen yo. Yo di en conséquence, tout moun yo surprenn. Chauffeur machine de tout type véhicule, yon surprenn sous toute étendue commune. Nan Wanamet, en flagrant délit avec des marchandises de quelque nature que ce soit. Yon pas besoin qu'on ait si c'est produit alimentaire, si c'est diripois. Yon pas besoin qu'on ait si c'est œufs, si c'est poule, si c'est produit pourri, si c'est produit expiré, de quelque nature que ce soit. Depuis yon kembe ou avec produit qui sorti en République Dominicaine, wach maman. Yon ap arrêté, yon seront arrêtés et punis selon les lois haïtiennes sur la contrebande. Good job. C'est là que commence à comprendre. C'est là que commence à voir mon bagay sérieux qu'a fait. Yon ap arrêté, yon ap puni yon en conséquence selon les lois haïtiennes sur la contrebande. Yon continue pour yon dit que les marchandises saisies seront détruites, distribuées ou vendues à la criée publique et les véhicules confisqués seront remis aux propriétaires sur présentation des documents légaux des dits véhicules. Bamba ou bagay lan nan bon bout de créole pour nous comprendre. Marchandises yo saisi yo, yo ap détruit yo. Ou bien tout yo ka distribuer ou bien vendu à la criée publique. M'pa trop fin remen vendu à la criée publique là. C'est vendu à la criée publique là. C'est même j'ai été kadou, yo a fait vente aux enchères avec lui. Sous ces produits dominicains, qui interroge pour faire vente aux enchères ou bien pour distribuer le. Et boule l'on fois, détu l'on fois. Détu l'on fois. Parce que si nous interdit que moun yo rentre à le faire contrebande pendant que nous décidons de nous fermer frontières avec la République dominicaine. Si produit a li rentre ou dou saisi, qu'on yo pral distribuer ou yo pral vendre ni.
c'est corvé, c'est laver messi à terre. Oui, nous besoin comme dans commune pour nous avancer, mais faut nous repenser bagaille. On comprend, faut nous repenser bagaille. Quand il y a machine yo saisi yo, machine yo confisqué yo, et bien propriétaire machine là l'a gagné pour venir récupérer machine là, néanmoins l'a gagné une amende qui varie entre 50 000 goud à 500 000 goud. Yo a gagné pour yo payer entre 10 000 dollars ici à 100 000 dollars ici suivant classement que yo pral fait de machine là. Et pas si m'pire mais encore c'est petit côté qui dit que nul n'a prétexte ignorance. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est ça yo dit. Donc là, mon connais moun yo sur réseau, yo avait ça k'ap di sur réseau. Donc créole parler, créole comprendre, yo publié et li effectif des publications. Yo sorti hier. Notre là sorti hier et eh bien depuis jodi an là 24 heures tapant li effectif. Donc à bon entendeur salut puis gam vinn de plein. Là yo maré nous sous frontière là, là yo maré nous cap jeter pour l'en bas, là yo maré nous à contrebande pour nous dire c'est méchanceté, c'est abus, c'est ceci, c'est cela. Là yo prébé là yo kebé machin nous en contrebande. Yo gè tout discours. Oh mouy, petite sœur sous lit. Kaye sœur sous lit. Oh mouy, qui ça me pral faire? M'gè trois petites sans papa, m'gè cinq petites sans papa. Mais yo parlé nous. Yo parlé nous faut nous tendez. Zoreille nous pas doit trop long, faut nous tendez. Parce que si nous voulons faire pays, faut nous commencer à respecter principes, faut nous commencer à respecter et mesures que l'État prend. Avant nous aller, faut nous faire passer, non, faut nous faire coup de pied dans le dossier politique. Faut moi dis nous, rien pas changé. Rien pas changé, c'est code red qui gagne, autre pouvoir avec structure opposition. Matéam t'a tendé ancien colonel Imler Rebu qui t'a parlé, li c'est un nan moun qui fait partie de l'UEGRE, c'est une structure politique qui fait partie de Front Uni qui gagne aidé Claude Joseph, qui gagne PHT Kaline Baltazar, qui gagne diverses structures. Eh bien, dans le moment où on a parlé à là, il a boudé toute invitation, toute initiative que CARICOM a pris. CARICOM n'a pas décidé de faire, CARICOM a été la tête raide, il a dit, fuck monsieur, je ne en tête. Fuck monsieur, réuni. Fuck bon bagaille qui dit pour permettre que l'élection soit faite. Eh bien, m'a dit, que l'on veuille ou non, André Michel avec Ariel, il a pris toute disposition pour faire l'élection. Liste 20 personnalités, il a voulu le bail Madame Aniga. Madame Maniga, c'était à bien pour choisir 9 moun. Donc, avec yo bien sans yo, sans Ariel voulait faire notre pays, yon, Ariel a fait. Premier ministre de Michel, yon a fait. Donc, on y a, c'est responsabilité nous-mêmes en tant qu'haïtiens. C'est responsabilité haïtien qui dans diaspora yo. C'est responsabilité chaque grain haïtien, chaque grain petit pays, en petit terre, pour nous dire que nous pas prend élection, non, comment on dit, le monde à godé, nous pas prend élection par chiman, nous pas prend élection pour pétrole. Parce que si nous quitter, nous pas impliquer, nous quitter Ariel fait élection, Ariel a fait élection, la fait élection sans nous, a fait élection pour moun yo. Et ça nous toujours doit mettre dans tête nous. L'oué gagne yon président, yon administration qui décide de faire un bagarre ou de opposition dit yon baladon. Yon la gagne yon fait la délan, te pense que m'songe. Le pou président Jovenel Moïse te mette kopé CEP pour venir avec question référendum. Opposition André Michel, Yuri La Tortue, et Joseph Lambert, etc. Yon tout te dit yon pas prendre l'élection avec Jovenel Moïse. Kou CEP yon décide de dire. Yo ouvri inscription. Qui premier moun nous te donne qui a l'inscrit? l'inscrit. Là, yo dit ça qui passe. Yo dit, c'est parti à l'vin inscrit, parti à l'vin enregistré. Parce que l'on veut ou non, machine nan l'prale, li prale avec yo ou bien sans yo. Donc, journée jodi, faut que monsieur dame yo rive choisi ça pour yo faire payant. Faut que yo entende yo pour yo konne qui ça yo pral faire avec payant, qui ça yo vle faire avec payant. Soit nous la pays à nan mais Ariel pour le faire salver avec lui, ou bien nous chita nous entendre nous pour nous garder qui ça nous café à pays à ensemble. Parce que m'pas quoi c'est Ariel qui pis politicien que tout politicien, m'pas quoi c'est opposition qui pis politicien que tout politicien. Finalement, faut que nous entendre nous. On paye pas carré comme ça. Gen moun kap soufri, haïtien en dedans pays a soufri, nous besoin sécurité, haïtien dans diaspora a soufri, yo besoin rentrer en dedans pays, yo besoin tourner la caillou, yo gen nostalgie, fòk bon bagay ki fèt pou pays.
Bien. Et compatriotes, moi, c'est là où on a fini l'émission aujourd'hui, parce que le dossier est vraiment en pile. Dossier est tellement en pile, si nous t'apprends pour nous parler, nous papes suspendent et parler. Et avant d'aller, il faut que moi dis nous, vendredi qu'a vinn là, c'est vendredi nous fixer pour nous aller rencontrer avec opérateur Yvon et gaz potoïque gaz ça, nexa qui est fatigable sous pelle excavatrice qui pas jamais suspend travail depuis plus passé yon mois li sous canal là, li à droite, li à gauche, li devant, li derrière la travail. Nous t'ai prend décision pour nous al faire une surprise, pour nous porter un petit kichoy pour lui, pour nous montrer que nous apprécier travail à faire, nous apprécier sacrifice à faire, nous apprécier effort à faire. Donc et déjà m'a dit merci avec les amis qui ont même qui contribué yo. M'a dit merci avec les amis qui fait promesse que y a gèt arrivé avant vendredi. Merci avec ou même parce qu'on pense avec travail que monsieur Yvon a fait et ou même qui voulait contribuer ou même qui voulait participer avec nous qui voulait mettre et présent pour dans initiative ça qui prend. M'a tant nous et on gagne jusqu'à jeudi et pour faire ça parce que d'ici vendredi faut nous atterri faut nous arriver joindre monsieur Yvon. Cela n'a mettre en bout dans l'émission pour jeudi hein. Numéro émission c'est 38 96 38 19 ou même qui veut écrire ou même qui veut reler m'a tant nous rendez-vous le cassé dans une autre vidéo de formation. Restez connecté avec plateforme là pour reste programmation. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, tendez ça, ou c'est haïtien, ou remet pays, ou, et bien, on agit. Mon éditorial, entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, c'est tout. Mon éditorial, et bien, sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé pays d'Haïti. Mon éditorial, sauf si le dit pour vivre vendredi, depuis fait 2 heures, M. Chanel Paula, pour qu'à bien informer avec Yannick.